Mais pour ce petit vlogmas, je voulais vous montrer ma routine du soir pour l'hiver. Voilà, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Bon, en premier lieu, je commence toujours par me démaquiller. On va dire en gros, je commence par me démaquiller avec un petit peu de largette démaquillante. Ça fait le plus gros du boulot. Et ensuite, je vais venir laver mon visage ensuite avec le basique. Comme j'ai la peau mixte, voilà. Le petit savon Amen Cleanance qui je trouvais super bien à chaque fois en fait. Ce qui se passe c'est que moi j'ai quand même voilà, la peau assez grasse, donc plutôt mixte et tout. Enfin ça permet de rematifier la peau et de la nettoyer en profondeur. Et ça, je trouve ça top. On sait par, comme je disais, la lingette. C'est frais, ça fait bien. Parce que souvent je me maquille en fait les yeux et du coup... Les yeux au savon, c'est pas le plus pratique, donc je retire toujours le plus gros en fait avant à la lingette. Comme ça, quand je lave ensuite mon visage, c'est beaucoup plus facile de retirer tout le make-up. Ensuite, je vais en profiter pour retirer mon chouchou. Oh. Je les avais attachés toute la journée. Avec mon petit bijou. Voilà. Je brosse les cheveux. Et voilà, donc déjà ça, ça pique les yeux. Ah, ça fait du bien. Bon. Du coup. Allez. C'est ça qui est trop bien avec ce savon, c'est que je sens tout de suite ma peau, elle est toute douce, mais en même temps elle est hyper, comment dire, retirée, il n'y a plus de sébum quoi. Je sens qu'elle est toute mate. Oh, ça fait du bien. Bon, ensuite après ça, je mets donc ma crème de nuit du moment. Alors à savoir que je mets du coup la crème Vitalift Nuit de chez L'Oréal. Donc je l'avais pris il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour me dépanner. J'ai eu l'occasion de tester aussi celle de Clarins qui est vraiment top, mais j'avais vraiment une petite, un petit format. Donc j'ai le gros format pour le jour, mais pour la nuit j'avais un petit format et donc je l'ai déjà terminé. J'ai mis du coup ça sur l'ensemble de mon visage et également la Revitalift contour des yeux juste en dessous. Voilà. Et ouais, les gants, je mets déjà pour les anti-rides. Bon. Voilà. Et bien sûr, le front. Pour ma crème contour des yeux. Que j'ai hop. C'est parti pour mon coiffage de dents. Ah, mon tax. Un peu dégueulasse parce que c'est salé. Bon, voilà. Donc les dents sont lavées. Je vais juste, ce que j'aime bien faire parce que du coup,
coup je mets beaucoup de mascara. Du coup, pour prendre soin de mes cils, je mets du coup de l'huile d'amande douce du coup sur la base de mes cils. Et j'ai l'impression que ça aide à les nourrir de ouf. Un bon plan. Donc, je vais en mettre sur mon doigt. Voilà. J'en mets un tout petit peu sur le doigt. Et je viens du coup m'imprimer sur mes cils. Que, du coup, à force de se maquiller, de se démaquiller et ainsi de suite, j'ai tendance du coup à avoir les cils un peu courts. Mais je trouve que voilà, de remettre un peu d'huile du coup juste à la racine, je trouve que ça les limite vachement. Et du coup, ça permet d'avoir des cils super longs sans forcément voilà, me faire des cures de fou, là, des trucs de remonter à l'âge, je sais pas quoi. Ensuite, parce qu'on est en hiver et tout, je me mets bien sûr une petite crème pour les mains. Et en l'occurrence, en ce moment, je mets celle de Luxe Rêve de Miel. J'en ai un bon parce que clairement. Puis je mets pas souvent mon camp, donc voilà. Ça sent bon. Et dernière étape, également parce que c'est l'hiver et que j'ai tendance à avoir les lèvres percées, je mets du coup le stick à lèvres. Voilà, hydratant. Et donc là, en l'occurrence, c'est du coup celui de chez Uriage, qui est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est parfait. Et voilà. Et voilà. C'était ma petite routine d'hiver. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, c'était donc du coup pour ce petit vlogmas. Je vous fais de très gros bisous. Et on se voit demain pour un autre nouveau vlogmas. Ciao les petits loups. Oh,